Et si c'était le jeu Goals qui nous sauverait? C'est possible. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du projet Goals. Oui, pas du jeu Goals parce que à l'heure où je vous parle, c'est bien trop tôt, il n'y a même pas de jeu. Pour l'instant, on en est juste au stade de projet. On est même au stade de brainstorming. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de deux leaks qui ont fuité toujours sur le Discord de Goals. Le premier leaks, ça parle d'un mode de jeu qui sera présent dans le jeu Goals. Et le deuxième leak, c'est un brainstorming autour du sujet du jeu de tête. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'ils parlent de PES, ils parlent de FIFA et ils sont en train de se casser la tête pour faire du système du jeu de tête quelque chose de plus réaliste. Donc ça voudrait dire que le jeu Goals cherchera à être un jeu réaliste et je sais que ça va vous plaire car vous êtes nombreux à vouloir d'un jeu de foot qui soit réaliste, tout comme moi. Mais avant de commencer cette vidéo, c'est toujours les mêmes qui sponsorisent cette vidéo et je les remercie. C'est OneFootball, quoi de plus logique de faire sponsoriser cette vidéo où on parle d'un jeu de foot par OneFootball, l'application numéro 1 dans le monde pour suivre l'actualité du football. L'application est gratuite, elle est disponible sur tous les stores, vous pouvez suivre les stats de tout en fait. Elle est gratuite, vous pouvez la télécharger à partir du lien que j'ai mis en description. Et si vous le faites, vous soutenez le créateur que je suis. Merci beaucoup. Allez, on commence par le premier leak. Et c'est un mode de jeu qui sera présent dans le jeu Goals. Donc c'est quand même assez intéressant. En quoi consiste ce mode de jeu? Bah, vous allez voir qu'il n'existe pas sur PES et sur FIFA. Donc le mode de jeu va s'appeler 5-5-a-side. Bon, ça, il faudra voir comment ça va s'appeler en français. Le principe est assez simple. Vous devez choisir un joueur dans votre équipe et il va falloir choisir proprement, avec attention, ce joueur-là, puisque vous allez contrôler que ce joueur-là. Et dans votre équipe, vous allez avoir trois autres joueurs, trois autres humains qui vont contrôler leur propre avatar. Le gardien sera contrôlé par l'intelligence artificielle, donc vous serez quatre humains qui contrôleront chacun son avatar. Attaquer, défendre, courir et bien sûr travailler en équipe sera extrêmement important pour performer, donc il va falloir communiquer entre les joueurs et bien jouer en équipe parce qu'effectivement il y a 4 humains et un gardien. Donc c'est un en fait 5 contre 5 mais avec 4 humains qui contrôleront chacun leurs avatars. La particularité de ce mode de jeu, c'est que le terrain sera plus grand que un terrain de 5 en fait. Ça sera un terrain beaucoup plus grand. Alors je sais pas trop pourquoi. Est-ce que la taille du terrain sera la taille d'un terrain 11 contre 11? Je ne pense pas. Mais pourquoi faire un terrain plus grand qu'un 5 contre 5? J'ai pas la réponse. Mais voilà, on a là sous les yeux le premier mode de jeu du mode du jeu Goals. Un 5 contre 5 avec 4 humains qui contrôlent chacun leurs avatars. Ça fait penser un petit peu au club pro, ça fait un petit peu penser à Volta, c'est un petit peu un mix des deux et je trouve ça plutôt sympa. Deuxième leak, ça parle du jeu de tête et ça, là on est en fait sur un paperboard en fait. On est vraiment dans le brainstorming de Goals en fait. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup développer un jeu de foot, j'aimerais beaucoup aider à développer un jeu de foot, réfléchir à ce qu'il y aura dans un jeu de foot. Et c'est exactement ce que fait Goals sur le Discord. Je vous invite à aller voir sur le Discord. Ils font des petits leaks comme ça de brainstorming sur certains sujets. Ils le feront, je pense, pour les mois et années à venir. Et je trouve ça très intéressant de faire participer les joueurs, la communauté, puisque les joueurs, la communauté de joueurs de foot virtuels, on connaît bien les jeux de foot. Pour certains, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on joue à des jeux de foot. Et donc, on connaît, on sait de quoi on parle. Et donc, je pense que Goals cherche à avoir des idées de la communauté. Et je pense que si vous y allez sur ce Discord et que vous suggérez des choses, il est très possible que ces choses que vous suggérez soient réutilisées dans le projet Goals. Et je trouve ça super, cette ouverture à la communauté, chose qui n'existe pas sur PES et sur Konami. Ils sont pas du tout ouverts à la communauté, à part balancer des questionnaires une fois par an. Mais ils ne cherchent pas à sonder la communauté pour avoir des idées. Peut-être par fierté, mais honnêtement,
Enfin voilà, c'est fini. Goals fait vraiment preuve de modernisme et d'ouverture aux autres que j'apprécie beaucoup. Là, le sujet du jour, c'est les jeux de tête, le jeu de tête. Et c'est très intéressant ce qu'ils disent. Alors, c'est en anglais, je vais essayer de vous traduire ça le plus proprement possible. Donc, ils disent que le jeu de tête, c'est un élément extrêmement important pour marquer des buts. Il y a beaucoup de buts qui sont marqués de la tête. Donc, ça leur semble hyper important de réfléchir sur le bon équilibre d'un jeu de tête pour le jeu Goals. Et pour ça, ils veulent le rendre en fait moins aléatoire, le jeu de tête. Et c'est vrai que sur les jeux de foot, c'est un petit peu aléatoire. Parfois, on gagne le duel de la tête dans la surface, on marque. On ne sait pas trop comment. Est-ce que c'est une histoire de timing, de chance, de script? C'est un petit peu aléatoire, c'est vrai. Et ils ne veulent pas rendre ça aléatoire. Et ça, c'est bien. Ils ne veulent pas d'aléatoire dans leur jeu. Ils ne veulent pas d'aléatoire dans les jeux de tête. Ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas d'aléatoire dans tous les mécanismes du jeu, en fait. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Donc, ils réfléchissent à deux options pour équilibrer au mieux le jeu de tête dans le prochain jeu Goals. La première option, c'est laisser plusieurs défenseurs contester un jeu de tête, aller jouer le duel de la tête. Parce qu'effectivement, ils font le constat que dans les jeux de foot, quand il y a un duel de la tête, bah effectivement, c'est un duel de la tête. C'est toujours un 1 contre 1, un attaquant contre un défenseur. C'est toujours comme ça. Mais il n'y a jamais, par exemple, un attaquant face à deux défenseurs. Les duels de la tête se font toujours en 1 contre 1, alors que dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Il y a souvent, en défense, il y a souvent deux défenseurs qui jouent le ballon de la tête face à un opposant. Mais dans les jeux de foot, c'est toujours des 1 contre 1. Donc la première option, c'est ça, laisser plusieurs défenseurs disputer le duel de la tête. Donc ils ont vraiment fait le constat que dans les jeux de foot, il y a trop d'un contre un de la tête et ça ne reflète pas la réalité. Ils prennent l'exemple de Ronaldo en disant, voilà, Ronaldo, vu qu'il a une excellente détente et un très bon jeu de tête, et bien celui-là, il va gagner la majorité de ses duels puisqu'il a des très bonnes stats en détente et en duel de la tête. Il va quasiment gagner tous ses duels de la tête en fait, et ils ne veulent pas que ça soit aussi binaire, aussi simple. Le jeu de tête, c'est quelque chose de plus complexe dans les jeux de foot. Même si tu as une très bonne détente, même si tu as un très bon jeu de tête, ça veut pas dire que tu vas gagner tous tes duels de la tête. Donc voilà la première option, faire en sorte qu'il y ait plusieurs joueurs et pas que des 1 contre 1 à jouer les ballons de la tête. La deuxième option, c'est mettre plus de manuel. Ah, ça me parle. Alors que d'un côté, on a UFL avec le dirigeant d'UFL qui n'a jamais entendu parler du full manuel. Ça fait peur. De l'autre côté, sur Goals, ils savent très bien ce que c'est, les contrôles manuels, et ils veulent l'implémenter dans les jeux de tête. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ils font le constat que dans FIFA, on a trois possibilités de centrer. On a trois façons, en fait, de centrer. On peut soit centrer au premier poteau, soit centrer au milieu, au point de pénalty, soit centré au deuxième poteau. C'est tout. Il n'y a que trois possibilités de centre. Il n'y a que trois cibles, en fait. Or, dans le vrai foot, c'est pas aussi simple. Tu ne fais pas soit un centre au premier, soit un centre au milieu, soit un centre au deuxième poteau. Non, le ballon, il peut être au milieu du premier et du deuxième poteau, au milieu du premier et du point de pénalty. Voilà, le ballon, il va pas atterrir soit au premier, soit au milieu, soit au deuxième poteau. Et c'est ce qui se passe dans les jeux de foot. Et ils n'ont pas tort. Ils ont noté que dans FIFA, si vous souhaitez réussir votre centre, il va falloir être au bon endroit sur le côté et avoir un bon angle. Si vous êtes dans le bon angle, au bon endroit, vous avez beaucoup plus de chances de réussite de centre. Et pour eux, c'est pas logique. Tu peux faire un centre en étant beaucoup plus loin, en n'ayant pas forcément l'angle qui est sport à décider. Et ils trouvent le système de PES meilleur au niveau des centres. C'est vrai que sur PES, vous pouvez faire des centres lointains. Vous pouvez centrer de très loin. Vous n'êtes pas obligé de centrer à côté de la surface de réparation. Donc, ils préfèrent le système de centre de PES. Et ce qu'ils veulent faire, c'est remixer un petit peu les deux pour avoir le meilleur des deux mondes, et avoir un système de centre réaliste. Et ils veulent faire en sorte qu'il y ait des centres plus variés, des centres flottants, des centres rasants, des centres travaillés, brossés, mais ils veulent surtout plus de contrôle manuel dans les centres pour que ça soit une véritable compétence. Il suffira pas
d'appuyer sur rond fort ou pas fort pour que le ballon il aille au premier ou au deuxième poteau. Non, il va falloir être précis puisqu'il y aura un contrôle manuel des centres et ça deviendra une véritable compétence de savoir centrer. Et si vous êtes fort dans les centres, précis dans les centres, vous aurez plus de chances de mettre une tête et de marquer de la tête. Donc ils sont sur ces deux options, soit la première, on met plusieurs défenseurs pour jouer les duels de la tête, soit la deuxième, plus de contrôle manuel. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez à faire les deux, c'est pour moi la meilleure option finalement, faire des centres plus manuels, plus variés, et derrière avoir des défenseurs qui peuvent jouer à plusieurs les duels de la tête. Et là franchement, on a quelque chose de super réaliste et de super cool et qui récompense le skill. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, je trouve le brainstorming de goals hyper pertinent, hyper intéressant, c'est vraiment assez passionnant. Je ferai d'autres vidéos là-dessus dès qu'ils feront des partages de leur paperboard, de leurs réflexions sur des domaines du jeu vidéo, du jeu de foot. Et ben je vous les partagerai parce que c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais beaucoup participer avec eux à ces réflexions-là. Et en tout cas, ce que je note, c'est que ouais, ils savent ce que c'est les contrôles manuels et le full manuel. Ils connaissent les jeux de foot puisqu'ils ont déjà analysé le système de centre de FIFA et de PES, ce qui prouve qu'ils connaissent bien le foot. Et bah, d'après leur réflexion, hein, je voulais partager, ils cherchent un jeu réaliste. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle de cette vidéo. Goals sera un jeu réaliste. En tout cas, ils veulent que ça soit réaliste et que ça ressemble au vrai foot. Donc c'est super. Là, on est dans une période très très difficile dans les jeux de foot. Mais peut-être que demain, ça sera une période magnifique et qu'on aura plein de jeux de foot réalistes et qui contenteront beaucoup de monde. Voilà, c'est ce que j'espère. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater les infos sur tous les jeux de foot, finalement. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut !